C'était dans notre viseur, mais la capitaine Kerrill les a laissés s'enfuir. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire avec notre guidage de missiles brouillés? On aurait pu faire quelque chose. Maintenant, Lyndon James et l'escadron Vanguard se moquent de nous. Ils fuient, apeurés, traqués par un vaisseau amoché. Celle qui rit, c'est la capitaine Kerrill. Allons dans la salle de briefing. Les chantiers navals de Nadiri brûlent. Leur Starhawk fuit devant nous. Lyndon et Vanguard sont à notre portée. La vengeance est si douce, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le moment de se laisser aller. J'ai trop attendu pour que Lyndon m'échappe une nouvelle fois. L'amiral Sloane a été catégorique. Le Starhawk doit être détruit. Mais nous ne pouvons pas l'attaquer directement. Le rayon tracteur est beaucoup trop puissant. Au lieu de ça, nous devons l'attirer dans la nébuleuse de Ringali. Là, nous pourrons rayer Vanguard et son vaisseau de combat de l'histoire. Notre empire nous appelle à le servir. L'échec est interdit. Notre ennemi s'échappe. Beau travail, escadron Titan. Mais pour l'arrêter, vous devez décrocher de l'Overseer et voler au-devant de la flotte ennemie pour lui tendre un piège. Les calculs de LT-514 indiquent que les restes de la flotte de Nadiri tentent d'atteindre Chandrila, la capitale de la Nouvelle République. Pour cela, ils doivent traverser la décharge de vaisseaux impériaux détruits qu'ils ont utilisés pour bâtir ce monstrueux Starhawk. Poétique. N'est-ce pas? Nous avons détecté plusieurs cœurs de réacteurs dans la décharge. Titans, volez devant leur flotte, et utilisez les cœurs pour créer un champ de mines sur leur chemin. Les cœurs actifs exploseront si on leur tire dessus et détruiront les vaisseaux autour. Vous y compris. Utilisez cet avantage avec précaution. Détruisez les chasseurs de la République qui tentent de détecter les dangers du champ de débris. Vos tailleurs risquent de souffrir contre les gros vaisseaux de la flotte. Faites exploser les cœurs pour les éliminer. Si le plan fonctionne, le Starhawk sera détruit dans votre champ de mine ou forcé à se dérouter vers Ringali, cette nébuleuse mortelle. Dans tous les cas, on gagne. Je suppose que vous percevez la sagesse de notre stratégie. Venez maintenant. Même endommagée, la flotte rebelle constitue toujours une vraie menace. Nous ne pouvons pas l'attaquer à découvert. C'est trop dangereux. Exactement. Le sabotage est la réponse. Nous éparpillons la flotte, réduisons son nombre, et le Starhawk sera à notre merci. Sans défense. Précisément. Si tout se passe bien, le reste de l'escadron Titan et vous aurez un accès dégagé sur le Starhawk. Lyndon James... et Vanguard. Ah, oui. L'escadron Vanguard vient toujours compliquer mes calculs. C'est un problème que vous serez tous les deux, heureusement, en mesure de résoudre. Bonne chance. Je vous surveillerai d'ici. Je ne sais pas comment vous pouvez être aussi calme. Je n'ai jamais été aussi prête pour une mission dans ma vie. Bien, profitez de l'adrénaline. Mais souvenez-vous... Oui, Varco, ne mourrez pas. Vous l'avez dit des centaines de fois, personne parmi nous n'est remplaçable. En fait, j'allais vous dire de rester en vie, car si notre plan fonctionne, nous aurons de grandes chances d'affronter le Starhawk au milieu d'une nébuleuse. Si ça doit se finir ainsi, je veux que ce soit Von Reg qui nous couvre. On était si prêts à Nadiri, et ils nous ont filé entre les doigts. Ce sera pas le cas cette fois. Pas aujourd'hui. Détendez-vous. Assurez-vous de pouvoir tirer quand j'en aurai besoin. Est-ce qu'on peut y aller? Pour cette mission, vous pouvez voler dans un bombardier TIE ou dans un faucheur TIE.
Docteur Sir, Titan est en route et vole en aval de la flotte ennemie. Parfait. Décimez leur flotte dans le champ de débris. Leur seule option sera alors de détourner le Starhawk vers la nébuleuse de Ringali. Escadron, avec moi. Nous approchons du cimetière. Ce n'est pas une simple décharge, Varco. C'est un cimetière impérial. Combien de destroyers a-t-on entassé ici? Qu'est-ce que la République a fait de leurs équipages? Peu importe, on n'y peut plus rien maintenant. Par contre, on va pouvoir se venger. Quand on aura terminé notre mission, ce sera aussi un cimetière rebelle. Nous avons atteint notre destination. L'ennemi approche comme prévu. Vous avez le temps de préparer le piège. Compris. Trouvons ces cœurs de réacteurs. N'oubliez pas, seuls les cœurs actifs peuvent exploser. Les autres ne sont que de la ferraille. Compris. Et voilà, ça va secouer les rebelles quand il explosera. Ce cœur est inactif, il ne nous sert à rien. Détruisez-le et continuez. Des cœurs. On ne prépare rien. Les cœurs actifs sont instables. Quelques tirs suffisent à les faire exploser. Donc les rebelles ont créé leur propre champ de mine sans le faire exprès. Excellent. Il est inactif. Les capteurs de proximité sur les cœurs actifs nous diront si des ennemis sont proches de nos explosifs. Si l'alarme retentit, c'est qu'un vaisseau ennemi est exposé. Ce sera alors à nous de faire exploser les cœurs. Un cœur actif. Vous avez trouvé un cœur actif, 3. C'est à vous, Escadron. Les chasseurs ennemis sont dans votre champ de mine. Affirmatif, Overseer. Titan, engagé et éliminé. Visez juste, pilote. Ne déclenchez pas les cœurs inutilement. Soyez précis. On a raison, Titan 3. Abattons ces chasseurs. Thank you.
trouver. Corvette rebelle en approche. Quand leurs vaisseaux seront à portée, faites exploser les cœurs. Scanner d'autres cœurs. Il faut reconstituer le champ de mine au plus vite. Thank you.
vaisseau est endommagé.
exploser. Titan 3, scannez cet amas de cœur et assurez-vous qu'il est actif. Les rebelles n'ont pas idée que leur frégate tourne droit à sa tête. Ces cœurs ont dû leur échapper. Ils font des erreurs parce qu'ils sont sous pression. Ça me va. Cœur actif confirmé. C'est notre dernière chance, Titan 3. Ça m'a touché! Se rendre dans la nébuleuse de Ringali. C'est là que mourront Lyndon James et son Starhawk de malheur.